Salut, c'est Seb Gros. Aujourd'hui, je passe au recording. T'as fini à quelle place lors du mérite de l'Alps Tour en 2012? 8. C'était quoi ton premier tournoi sur le Tour européen? C'était à Madère. J'ai pas l'année, mais c'était à Madère. J'avais commencé en plus par un coup de boîte en chandelle. Ouais, c'était pas... Je m'en souviendrai, ouais. En 2015, t'as gagné à Saint-Omer, 11 ans après un autre Français. Lequel? De Lagrange. C'était Philippe Lima. Lima était devenu portugais, je pensais pas que c'était 11 ans avant. La même année, tu gagnes au Kazakhstan. Avec quel total sur 4 tours? 14. Ouais. Fin 2015, pour ton premier tournoi en tant que membre du Tour, tu joues en dernière partie le dimanche. Avec qui? Avec Charles Schwartzel. Avec Charles Schwartzel, qui était un ou deux coups devant, qui m'avait fait une démonstration le dernier tour de management de parcours en jouant mal. T'as fini quatrième de ce tournoi et trois autres Français étaient dans le top 5. Lesquels? Greg Bourdi et Ben Hébert. Et je dirais que le troisième, c'était Tom Linard. En 2016, tu finis deuxième à la distance moyenne au drive. T'avais quelle moyenne? 311 yards. Ouais, c'était ça? Stylé. C'est quoi ton meilleur classement mondial en carrière? Je crois que c'est 166. J'ai des questions vachement dures, les autres ils ont... heureusement que je m'en souviens. Cette année, t'as gagné sur le Mena Tour. Quels Français ont déjà gagné sur ce circuit? Waouh! Donc il y a Robin Roussel. Oh, la vache. Et je crois que je vais dire un truc que je supporte pas dire, mais je crois que je vais dire je sais pas. Il y avait Edouard Espana et Lionel Weber. Oh la vache, et bah désolé à eux, mais je savais pas du tout. Combien de Sébastiens ont gagné à Saint-Omer? Bah il y a 7 de Lagrange. Moi, ça fait 2. Et je m'arrêterai à 2. Ouais. Question bonus, tu es né à Villeurbanne, combien de titres de champion de France compte l'ASVEL? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée parce que j'y ai passé juste le temps que j'ai passé à la clinique à Villeurbanne. Ils en ont un paquet. Je vais dire 17. C'était 19, ça te fait un total de 8 sur 10. Je suis perfectionniste donc c'est pas bien.